Bon, eh bien, je ne peux pas accéder à mon cours. Nous sommes plus de 300. En même temps, on est une promo de 900, c'est un peu logique. Bon, bah super. Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Nous sommes actuellement le mardi 19 janvier. Il est actuellement 10h05 et je ne peux pas rentrer dans mon cours de marché financier qui est une de mes majeures. Et le prof ne veut pas enregistrer son cours. Donc ça commence déjà bien ce second semestre. Des profs qui ne veulent pas qu'on réussisse comme d'habitude. De toute façon, ça ne change pas à la Sorbonne. Parce qu'en fait, il fait une réunion Zoom et sur Zoom, on est à peu près que 300. Sachant qu'on a une promo de 900, c'est bête d'avoir mis ça sur Zoom. C'est super. Qu'est-ce que je vais foutre pendant 3 heures? Alors j'essaye de temps en temps d'actualiser pour voir si quelqu'un se déconnecte. Ça me gonfle. Bref, on va faire pas mal de choses aujourd'hui. Je dois envoyer mon certificat médical pour mon sport. Parce que je vais faire fitness muscu à la fac. Le truc c'est que j'ai vu combien de temps je mettais pour aller à la cité universitaire. Je mets une heure. Je suis allée chez le médecin hier. J'ai passé 3 heures d'attente dans le froid. J'ai jamais vu ça. J'étais frigorifiée. Juste pour 5 minutes. Ça m'a duré même moins de 5 minutes. Je suis arrivée à 17h. 01 dans son bureau, à 17h03 j'étais partie de son bureau. Ouais, 2 minutes, 2-3 minutes. Donc j'ai eu mon certificat médical pour faire le sport, donc il faut que je l'envoie à la prof en fait. Et il faut que j'envoie aussi un mail à la fac pour dire que je fais sport et non pas une autre matière. Parce qu'en fait on avait le choix entre soit sport, soit rationalité et organisation. Donc vaut mieux faire du sport que d'apprendre une matière. Ah, si par exemple vous voulez envoyer un document en version un peu scan, n'hésitez pas à checker l'application Adobe Scan. Moi c'est là où je fais tous mes trucs pour enregistrer. Donc là en fait j'ai mon truc format PDF en scan et c'est beaucoup mieux pour pouvoir envoyer. Donc après je fais partager en email. Après tu cliques sur le lien et tu peux le télécharger le truc. Donc ça c'est vachement bien, c'est pratique. Là c'est bon, c'est fait, j'ai envoyé tous mes mails et là il y a mon copain qui est en train d'appeler la FNAC. Ça a changé, dis donc, ça faisait longtemps. Donc c'est pour voir où en est le remboursement parce que ça fait 2 semaines maintenant qu'on a demandé le remboursement et j'ai toujours rien eu. En attendant, je vais lire un peu son livre et je vais essayer de ficher sur mon iPad. J'étais en train de faire mon cours, de renoter, etc., d'essayer de synthétiser, mais je pense que c'est la mauvaise méthode. Je pense que je vais vraiment bosser sur ce livre, même si j'ai pas l'habitude, ça va être la première fois que je bosse sur un livre. Mais en fait, il est bien résumé, en fait. Pas besoin de résumer et de faire une fiche. Donc je pense que je vais le travailler, genre mettre des post-it, surligner, etc., parce qu'il est plutôt bien synthétisé. Là, je trouve que... ouais. Ça sert pas à grand chose là ce que je fais. C'est dommage que je l'ai pas sur mon iPad, qu'il l'ait pas en PDF son cours, parce que j'aurais pu bosser directement sur l'iPad en PDF. On va refaire les bonnes vieilles méthodes, hein, travailler sur un livre. Ça m'avait manqué, dis donc. Là t'as une petite chouquette. Tu sais que t'as de la place dans ton panier, chouquette, hein, c'est juste que tu veux pas avoir la place. Pourquoi tu me regardes comme ça? Elle a son tapis avec son nonos. Je suis morte. Pour travailler mes cours, moi j'ai souvent ce genre de petits post-it. Donc tout ce que j'ai, ça vient de chez Stationery Pal. N'hésitez pas à checker en barre d'infos, il y a un lien. Vous avez un code promo, franchement c'est hyper bien comme site. C'est la deuxième fois que je collabore avec eux, deuxième fois que je suis ravie. Ils font des post-it, enfin tu sais, pas genre rose, c'est dégueulasse. Et vraiment pas cher en plus. Hein. Ça c'est avec des petits points, là c'est quadrillé. Ils font des post-it comme ça. Et surtout les stylos, les gars, les stylos. Ils font les midliners, donc ça je les avais déjà. Mais ils en vendent aussi sur leur site. Ils font bah, tout ça, les micro-pennes et tout, et ça j'utilise tout le temps, tout ça là j'ai utilisé pendant mes partiels, ça m'a été vraiment hyper utile, j'adore la règle, et ça coûte vraiment pas cher du tout, et c'est de la bonne qualité. Si je peux vous conseiller un micro-pen, je conseillerais le 03 et le 01, donc ces deux-là, ils sont excellents pour écrire. J'ai testé
Les feutres métalliques, là, ceux-là, ils sont super bien. J'ai testé aussi ça, c'est super bien. Ceux-là aussi sont vraiment bien, c'est des feutres stylo. Excellent. Et surtout, les meilleurs, c'est ça. Hein. C'est ceux-là, c'est les Brush Sign Pen. C'est les stylos japonais. Je n'utilise que ça depuis des années, moi. Et ils en vendent aussi sur leur site. Donc, n'hésitez pas à les checker. Donc là, je vais faire ça. Je vais annoter, je vais surligner, etc. Donc, c'est parti. J'ai réussi à me connecter au cours. Pourquoi ça marche pas? Ah, il a fait une petite pause. Oh, trop bien! Je ne bouge plus du tout. J'ai bien fait d'actualiser. Oh, trop contente. Donc là, je vous montre à quoi ça ressemble. Des fois, je surligne les trucs qu'il faut vraiment retenir. Genre, ce que j'ai surligné, c'est le rôle des marchés financiers. Donc à chaque fois, ça permet de mieux voir leur rôle. Donc je vais faire ça pour tout le long. Et je vais aussi mettre des post-it pour chaque partie, en fait. Comme ça, je vais savoir ce que c'est, introduction, chapitre 1, etc. Et je vais noter sur le post-it. Alors, je sais pas lequel je vais prendre. Peut-être ça, si ça tient bien. Mais après, c'est assez gros, ça, je trouve. Bon, mon cours vient de finir et mon bureau, c'est un mess total. Donc, je vais vous montrer un peu comment j'ai fait le cours. Donc, le prof dicte son cours, hein. C'est exactement la même chose. Donc, moi, en fait, j'ai mis ça pour mettre les chapitres, les différents chapitres. Donc, chapitre 1, chapitre 2, etc. Comme ça, je peux m'y référer et je vais mettre aussi des petits post-it comme ça, là, pour faire les différentes parties. Taux d'intérêt, je mettrai un post-it, etc. pour chaque partie, en fait. Dès que je vais ouvrir ça... Il y aura taux d'intérêt, machin, etc. Enfin bref, voilà. Donc là, j'ai fait juste pour les 6 premiers chapitres. Parce que je sais pas si on va finir le livre. J'espère pas parce qu'il y a beaucoup de pages. Il y a combien de pages là-dedans? Ouais, 300. Donc voilà comment se présente le cours. Donc j'ai surligné comme j'ai pu. Et des fois, en fait, vu que j'ai acheté le cours à une étudiante. Donc je l'ai acheté genre 10€, je crois. En fait, elle avait déjà surligné des petits trucs en jaune fluo. Donc j'ai mis du vert par-dessus. Parce qu'il y a que ça qui peut cacher le jaune fluo. Moi, je déteste le jaune fluo. Et donc... là en fait il avait donné un exemple qu'il n'y avait pas dans son cours, donc en fait j'ai noté sur un post-it donc l'exemple avec les réponses et j'ai mis un washi tape. Des fois on me dit à quoi ça sert les washi tape. Bah, ça permet de scotcher sur n'importe quelle surface et en fait d'enlever facilement sans abîmer la surface en question. Donc, regardez ce chat. Mon chat il est trop beau. Maman, comment on fait du cours? Moi, j'aimerais bien étudier. Bon, je suis sûre que lui, il serait fort en cours. Donc voilà à quoi ça ressemble. Elle avait surligné un peu tout ça. Donc moi, j'ai mis un du vert par-dessus. Mais enfin, le code couleur, j'ai pas vraiment de code couleur. C'est à l'instinct. Voilà, si je trouve qu'il y a un peu trop de bleu, je mettrai du jaune ou du vert. Voilà, c'est un peu à l'instinct. Donc voilà, et maintenant, il faut que je range tout ça. Donc là je viens de finir de ranger, faudrait peut-être que je m'achète, vous savez, un truc sur Amazon, là, je sais que ça existe, pour cacher la caméra et l'ouvrir quand on veut, parce que bon, un post-it avec du scotch, c'est pas terrible, je vous avoue. Michette, qu'est-ce qu'on va faire encore aujourd'hui? Déjà on va peut-être s'habiller, parce qu'on est en licorne, c'est pas terrible, hein? T'en penses quoi? Et j'aimerais bien refaire mes ongles cette semaine, parce que là, là ça s'est enlevé le vernis semi-permanent, je sais pas pourquoi, d'habitude ça s'enlève pas. J'aimerais bien refaire un truc, j'ai vu sur Pinterest, je vous le montrerai sur Instagram ou dans un prochain vlog. Une espèce de baby boomer, mais avec des couleurs, ça va être sympathique. Je pense que ça va être pas mal. Un bichette! T'en penses quoi mon chacha? Donc je pense qu'on va aller enlever tout ce qui est Noël, ça serait peut-être pas mal d'enlever le sapin, les boules, etc. Bon, je viens de lancer une machine. Moi j'ai lancé la mise à jour du Josette. Ouais, il y a mis Josette qui est la mise à jour. Ouais. Donc je mets ça en ce moment, c'est l'arbre vert et c'est plutôt pas mal, c'est écologique, c'est une bonne marque. Donc on a pris peau sensible, donc ils le font à Costco. Ça c'est aussi de chez Costco, donc c'est un assouplissant, donc on utilise ça maintenant. Ça c'est nous deux qui avons payé. Ah, mise à jour terminée, tu vois, ça dérape. J'ai lancé ça et là, on va lancer Josette. Josette, qui est de ouf. Je te jure, ça fait longtemps qu'on l'a pas utilisé. L'aspirateur et le nettoyage en même temps, juste pour le salon pour l'instant. Et après, on fera les autres pièces quand ça sera un peu mieux rangé. Ah, il faut que je lave ça pour pouvoir le ranger. Parce que je crois que faut le laver là. Donc après, on va enlever tout ça. Donc si vous voyez des trucs sur les portes, c'est normal. J'ai pas de place pour sécher mes choses. Donc je les mets sur les portes. Je suis à bout. Hein, tu quêtes? Hein?
Bah ouais, ouais, hein. J'avais sorti dans la... Ah non, j'avais pas encore vu la vidéo tri. Mais en gros, j'ai sorti tous mes trucs de Noël. Ah, et Josette est en train de travailler. Et ben voilà, il y a Josette qui a fait son travail. C'est cool. On va ranger peut-être le canapé parce que là, c'est une catastrophe. On va enlever tout ce qui est coussins, etc. Donc les coussins de Noël, ça va faire un grand vide et je vais les remplacer par d'autres. Je vais enlever ce qu'il y a sur le balcon, là, les deux petits qui sont tombés aussi. Faut que je lave ça. Ah oui, et je me suis changée aussi. J'ai mis un petit pull qui vient de chez Bershka. C'est une ancienne collection. Et je me suis maquillée vite fait. J'ai voulu faire un petit effort pour vous, pour pas ressembler à un cornichon, voilà. Donc désolée par avance du bruit de la machine. Il y a une belle lumière, je suis trop contente. Ça fait trop beau dans l'appartement, ça fait du bien de voir un peu de soleil parce que c'est tout le temps grisâtre, c'est chiant. Donc voilà pour le canapé, j'ai remis un peu le même style de couleur qu'il y a. Le problème c'est qu'en fait les coussins à l'intérieur ne sont pas de la bonne dimension, je viens de capter. Donc ça fait un peu pas terrible. Il manque bien 10 cm de chaque côté à chaque fois. Mais bon, ça fera l'affaire. On a lavé la housse de coussin du canapé parce qu'il y avait une petite tache. Donc là, elle est au lavage. Et ça, je vais mettre ça à laver. Et là, je vais mettre toutes les boules de Noël, tout ce qui est Noël, je vais mettre ça dessus. Comme ça, au moins, je vais pas faire que me baisser à chaque fois pour mettre dans les bacs. Donc, je vais mettre tous les Noëls ici. Voilà tout ce qu'il y avait sur le sapin. Donc là, on est en train de le vider et on va le démonter. On va enlever la guirlande là. Ça va faire beaucoup de place. Je vais faire un petit avant après, tiens. Voilà le avant. Ça va faire bizarre. Hein. Et voilà le après. Donc là, c'est le gros bordel. J'ai remis les gugus dans les boîtes. On va essayer de voir pour mieux organiser et tout parce qu'on aimerait bien mettre tout ce qui est boule là-dedans et les boîtes peut-être en dessous du lit. Je pense que ça pourrait passer. En tout cas, elle est à bout. Mais avant de ranger, je vais me faire à manger parce que j'ai trop faim. Oh, il est 15h22, bah oui, pourquoi j'ai faim? Bah oui, il est 15h. Donc je vais me faire un hamburger. J'arrive pas à me faire ça en ce moment, c'est rapide. Je sais pas si c'est sain. En tout cas, je mange de la viande, donc ça fait du bien à mon corps parce que j'en mange jamais. Donc je prends des pains hamburger. Donc ça coûte pas très cher. Je prends un steak congelé, je le mets à chauffer. Je mets du cheddar, de la sauce burger, des cornichons et basta. Et ça me fait mon repas et c'est trop 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 bon, j'adore ça. Donc ce que je fais c'est que je mets le pain au grille-pain et ensuite ça je mets le cheddar et je le mets au micro-ondes pour qu'il fonde parce que ça veut pas fondre bien comme il faut. Ensuite je rajoute le steak, la sauce burger et des cornichons et après bah voilà, c'est fait. Ça prend pas beaucoup de temps, c'est ce qu'il me faut, 5 minutes. Ça prend pas beaucoup de vaisselle aussi donc ça c'est pratique aussi. Et après... Mais c'est pas très bon pour l'instant. Ouais mais c'est très pratique quand t'as pas le temps. Voilà, oh regarde mon bobo chacha, regardez mon chacha, il l'a pris en photo. Mon chacha actuellement. J'ai demandé à ma soeur si elle pouvait prendre l'avion rouge. Elle m'a dit on verra. Je vais négocier à mort pour qu'elle le prenne. Parce que ça ne rentre dans aucun bac. Ça ne va pas en dessous du lit. Ça va nulle part en fait. Je trouve quand même qu'on a fait pas mal de tri. Pas mal d'efforts au niveau du rangement. Parce que si vous avez vu ma cave avant. Enfin pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Je vous avais déjà montré ma cave plusieurs fois. Elle était blindée à mort. Et on avait tout trié et tout. Il nous restait quasiment que le Noël. Et même au Noël, j'ai quand même trié, j'en ai donné à mon père, à ma soeur. Donc là, j'essaie de ranger les petites boules. Ah oui, il y a aussi celles-là, les nouvelles boules là que je vous avais montrées dans un vlog. Si vous ne l'avez pas vu, je vous montrerai dans le petit. C'est des boules transparentes, magnifiques, vraiment holographiques, avec des fleurs séchées et tout, vraiment trop trop belles. Je suis en train de mettre ça là-dedans. Donc en fait, c'était là un carton Perrier que en fait j'ai utilisé pour transporter mes boules. Donc si vous voulez voir le détail de toutes mes boules, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo. Elles sont vraiment trop 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 belles, je suis fan. Et là je suis en train de mettre les boules rouges et ça rentre plutôt bien, boules rouges et blanches, je trouve que ça fait pas mal. Je vais mettre d'autres choses encore donc je suis assez contente. Et là je vais regarder ce qu'il y a dans les bacs, tout ce qu'il faut ranger etc. Mais en tout cas il y a encore les décos, vous savez qu'il y a là... des décos qu'il y a sur la table et tout, donc je vais un petit peu vider tout ça. En fait, il y a des boules que j'aimerais me séparer, genre ce genre de boules, les boules bleues, etc., les petits trucs comme ça. Sauf que je peux pas vous les envoyer sur Vinted parce que je sens que ça va casser. Les transporteurs sont pas très... voilà, hein, on connaît. Mais soit je vais les donner à ma soeur, soit à mes voisins, soit une asso. Mais en tout cas, c'est plus trop mon style, en fait, tout ça. Je vais mettre toutes les boules que je n'aime pas, je vais les mettre dans un sac et je vais voir ce que j'en fais. Soit je donne à mon père, peut-être qu'il les voudra, je sais pas. Et mon Vinted, c'est Pandapi, c'est le nom de ma chaîne, c'est la même chose. J'aimerais bien mettre tout ce qui est Noël rouge, blanc, dans des bacs comme ça, parce que j'en ai plein des bacs comme ça.
et que j'aimerais bien mettre ces bacs au-dessus du local technique, donc au-dessus de tout ce qui est disjoncteur, etc. Et en fait, j'aimerais bien mettre des étagères au-dessus. Donc pour l'instant, c'est pas encore fait, hein. Ça va pas être encore fait avant pas mal de temps, parce que je sais pas trop comment je vais faire. Je pense mettre des grilles et après mettre des étagères en fonction, mais il faut percer dans un mur porteur et... Pour l'instant, je n'ai pas la force. Ce serait pour mettre tout ce genre de Noël, je pense que ce serait beaucoup plus pratique. Et au moins là-dedans, on pourra mettre autre chose. Donc je vais faire le tri de ça et je vous retrouve juste après. J'ai envoyé un message à mon père pour lui demander s'il le voulait. Oui, nous, mais demande à ta sœur si elle veut quelque chose. Ah, mon père, il les veut. Bon, bah tant mieux. Ça fait bizarre parce que toutes ces petites boules-là, je les avais achetées pour mon premier Noël avec mon père. Bah, c'est vraiment beaucoup de souvenirs et ça fait plaisir que mon père veuille les garder parce que bah, moi, je garde des bons souvenirs de mes boules. C'est bête, mais moi j'ai vraiment une affection pour mes objets, je les aime beaucoup parce que ça me rappelle pas mal de souvenirs. Genre je me souviens en fait qu'il y a mon père qui est venu me chercher chez ma mère, je me souviens très très bien, il m'a dit Elisa et tout, il y a Laura Marlin, il y a moins 80% sur les décos de Noël et tout, et ça serait cool que tu en achètes pour ton appartement en fait. Et moi j'avais pas forcément d'argent pour ça, je dis bah vas-y on va quand même regarder pour le plaisir des yeux, etc. Arrive à Laura Marlin, il me fait... si tu veux, je te paye tes décorations de Noël, tes premières décorations de Noël. Donc il m'a acheté mon sapin, donc c'est le sapin que vous avez vu, le blanc, le tout premier, 1m60 je crois, que j'aime beaucoup, je pourrais jamais le donner à quelqu'un, ni le vendre, je l'aime beaucoup trop, c'est vraiment mon sapin de rêve. S'il avait été de 2m40, ça aurait été encore plus mon rêve, mais... Donc on avait choisi toutes ces petites boules-là, en fait c'était des lots, vous savez, c'est des grandes baguettes de boules, on va appeler ça comme ça, et j'avais pris ces boules-là pour mon appartement à Versailles. Et c'est vraiment de très très bons souvenirs et je les aime d'amour, vraiment beaucoup beaucoup beaucoup. Même les petits objets, les bonhommes lumineux, on les avait achetés assis à Leroy Merlin. Bah, c'est lui qui me les a offerts donc je suis trop contente quoi. Malheureusement j'ai évolué comme tout le monde et on n'a plus les mêmes goûts. Ah mais je vous ai pas montré sur YouTube sa maison, à sa décoration de maison. Peut-être l'année prochaine je vous montrerai la décoration qu'il a faite en 2020. Parce que vraiment c'est pas mal du tout, il a plein de lasers, il avait un sapin de 3 ou 4 mètres, genre énorme. Et j'avais acheté aussi des petites boules comme ça au tout début parce que je pensais que j'allais pas acheter de sapin. Enfin j'allais en acheter un tout petit donc j'avais acheté des mini boules. Et on était ressortis avec 2 ou 3 chariots de décoration de Noël, on avait payé ça 200€. À deux hein. Donc vraiment c'était pas mal du tout. Je regarde un peu aussi les boules qui pourraient aller avec mes autres collections. Par exemple là c'est du transparent, je sais pas si je vais les garder, on verra. Il y a aussi avec le polystyrène, je les garde au cas où parce que je les aime bien. Mais quand même celles-ci je les aime beaucoup, j'hésite à... Je vais quand même les garder celles-là. Parce que je les aime quand même beaucoup. La meuf qui n'arrive pas à faire de choix, me fatigue. En fait ce moment-là avec mon père c'était l'un de mes premiers moments que j'ai partagé vraiment avec lui pour mon appartement, pour mon futur appartement. C'était genre le premier moment, donc c'est pour ça que je l'ai dans ma tête et dans mon cœur. En fait là c'est le local technique, c'est ce que je vous disais, j'aimerais bien mettre des étagères là, pour pouvoir mettre nos petits bacs, etc. Là aussi, dans cette partie-là, j'aimerais bien aussi mettre une étagère pour mettre les bacs. Donc je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir faire ça, faudrait que je fasse les plans en fait. Mais en tout cas c'est dans le projet 2021, j'ai demandé à mon père s'il voulait le Dyson, et il le veut. Donc je vais lui filer, ça c'est cool. Qu'est-ce que t'as mon chacha? T'as un problème? Tu veux sortir? À chaque fois il veut sortir, à chaque fois je monte toujours ça sur Instagram quand il sort de l'appartement et qu'il court dans le couloir là. Mais non mon chacha, il y a peut-être des gens tu sais qui aimeraient bien ne pas avoir un chacha devant leur porte, mon bobo. Donc au moins ça va virer, mais je vais mettre tout ça où en attendant. Et là à côté c'est tous les cartons pour Vinted. Le problème c'est qu'à chaque fois, c'est bien et à la fois c'est chiant. À chaque fois vous me faites des grosses commandes donc ça ne rentre pas dans les petits cartons. Mais bon moi ça m'arrange quand vous faites des grosses commandes, mais quand j'ai des grosses commandes je dois les mettre dans des grands sacs envoi. Donc des sacs style sac poubelle, vous savez genre les noirs, dans des sacs envoi et ça coûte déjà cher parfois à acheter. Mais ça c'est pas mal pour les envois, les petits envois et tout, genre vous savez les petits t-shirts etc. Donc je les mets dedans. Donc là j'en ai préparé quelques-uns au cas où si quelqu'un veut m'acheter des choses sur Vinted. Donc, il y avait un sac avec des décos automnales et j'ai réussi à la mettre dans un bac, donc ça c'est cool. Dans un bac qui va être en dessous du lit. Et après, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a les Swiffer, il y a la planche à repasser, il y a un balai. Le balai, je l'utilise jamais, mais jamais. Je sais même pas pourquoi je l'ai. Juste le truc, il est pété. Et là, après, il y a un pied de l'ordinateur de mon copain et la pompe pour les pneus des trottinettes. Les trottinettes, j'aimerais bien les ranger quelque part. Je voulais les mettre là, en fait. Genre une de chaque avec, vous savez, un support. Mais je sais pas si ça va être possible. Mais je pense que... Enfin, il faudrait que je fasse un plan, que je le dessine, que je fasse les mesures et que je fasse tout le budget pour juste ça.
Parce que je sens que ça va coûter cher juste pour un truc comme ça, mais c'est hyper pratique. Au moins, ce genre de choses. Au moins, là, tu peux mettre des étagères. Après, je sais pas si on peut faire une étagère genre comme ça, tu sais, qui laisse quand même un espace pour voir les trucs. Donc, une étagère qui ferait comme ça, vous savez. Une autre comme ça. Je sais pas. Peut-être, est-ce que là, ça s'ouvre ? Je sais pas, faut que je dessine, faut que je fasse ça moi-même. En tout cas, je pense qu'il y aura du boulot, sachant que c'est du porteur. Et là, c'est pas du porteur. En fait, j'aimerais bien mettre, vous savez, des espèces de petites grilles, là, comme ça. Et après, tu peux mettre les étagères comme tu veux, comme ça, vous savez. Donc, c'est ça que j'aimerais faire. Et après, il faudra découper aussi les étagères en fonction de ça, du bloc. Donc, ça va être un boulot catastrophique. Donc là-dedans, genre, on mettrait tout ce qui est peut-être les boules de Noël, donc dans les petits bacs que je vous ai montrés, les appareils à raclette, les choses encombrantes. Donc voilà. On a quand même pas mal de place maintenant. Je suis super contente, j'ai fait un bon tri. Ah mon chacha ! Donc là-dedans, j'ai mis toutes les boules en fait et j'ai mis des trucs de neige au-dessus pour protéger avec des choses pas trop lourdes dessus. J'ai mis aussi tout ce qui est blanc dans ce bac-là. J'ai mis donc le carton de Perrier avec les... Enfin, Evian avec les boules roses. Il y a ma machine à laver qui est en train de décoller là. J'ai mis tous les bonhommes lumineux que j'ai gardés donc juste là. Là, c'est tout ce qui est en rapport avec Noël, tout ce qui est décoration. Donc c'est les tasses, les petits sapins, etc. Là j'ai mis mon grand casse-noisette, des guirlandes. Et là-dedans c'est tout ce qui est... Je sais même plus ce que c'est. Ah oui, ça c'est tout ce qui est branchage. Vous savez tout ce qui était au-dessus là, etc. On va mettre ça sous le lit. Et ça fait quand même pas mal de place. Il y a mon chacha, il est trop beau. Ah oui, ça. On a mis tout le Noël et tout dans... Bah au-dessus du dressing, en dessous du lit. Donc ça c'est vraiment cool. On a appelé aussi le docteur, le vétérinaire, donc c'est mon vétérinaire de famille. Parce que, enfin, il est à Ivry, donc il faut que j'aille en voiture pour y aller. Pour castrer Prince, on a voulu le faire reproduire. Et en fait, il y a la dame qui nous l'a donné, qui m'a recontacté pour qu'il fasse des bébés avec une femelle aussi sacrée de Birmanie. Et j'ai pas voulu. J'ai vraiment pas voulu, pourtant, elle est super clean, la meuf et tout, tu vois, mais. J'ai pas voulu et je me dis si je veux pas maintenant, je voudrais pas après. Donc faudrait le castrer, même si ça me fait chier. Mais je pense que c'est mieux pour lui aussi parce que les hormones, là en ce moment, ils cherchent les femelles, ils cherchent beaucoup les femelles. Quand il veut aller dans le couloir, c'est pour aller rejoindre la femelle qu'il y a dans un appartement parce qu'il la sent. Il miaule beaucoup aux fenêtres et je pense que c'est à cause de ça. Il est tout le temps... Beaucoup aux fenêtres, il miaule beaucoup à la porte. Il gratte. Et je connais ce docteur-là vu que j'ai fait tous mes stages chez lui en tant que vétérinaire, etc. J'ai appris beaucoup avec lui. C'est là où j'ai appris à castrer un chat. C'est là où j'ai appris à tout faire. Les premiers secours pour les animaux, c'est avec lui que j'ai appris. Il est un peu plus cher, mais le fait que tu aies travaillé avec lui et que tu aies vu comment il était, et que tu aies confiance en lui en ayant travaillé avec lui, je préfère mettre un peu plus cher. Ouais, il est un petit peu plus cher que les autres, mais c'est le meilleur. C'est le docteur Pasquier qui est à Ivry-sur-Seine. Ouais. Il a aucun avis en dessous de 3 étoiles. Mm. Il a 4,9. Genre, j'ai jamais vu un vétérinaire aussi bien noté sur Google. Après, j'ai le vétérinaire qui est juste à côté de la maison. Mais c'est une meuf et j'arrive pas avec elle. C'est elle qui s'est occupée de Birdie quand elle avait ses soucis de santé, etc. Même Prince quand il y avait des petits soucis. Mais j'ai pas confiance en elle, j'ai l'impression qu'elle est conne en fait. J'ai l'impression qu'elle a pas eu son diplôme de vétérinaire, tu vois ce que je veux dire? Je préfère Docteur Pasquier, je préfère faire un petit peu plus de route. Mais au moins je suis sûre et certaine que bah, il sera bien pris en charge en fait. Donc voilà, il a rendez-vous le 1er février mon petit loulou. Mais ce qui est bien fait avec le Docteur Pasquier, c'est qu'en fait il laisse la peau des coucougnettes. Moi je savais pas pourquoi il laissait, enfin quand je le voyais faire, je me dis mais pourquoi vous enlevez pas et tout. Et en fait ça permet au chat d'avoir encore en tête qu'il a ses coucouilles. Alors qu'il les a plus tu vois, mais la peau lui fait penser qu'il a encore ses coucouilles. Donc je sais pas s'il le fait encore cette technique, mais je lui demanderais de laisser sa peau. Parce que pour un chat c'est mieux de garder la peau que d'enlever tout. Ça doit faire bizarre tu vois, du jour au lendemain tu t'as plus rien. T'as rien demandé. T'as plus rien entre tes... Ouais, c'est pas terrible. Et j'ai demandé parce qu'il va avoir 2 ans et il m'a dit oh non, pas de soucis et tout pour le castrer. C'est bon, alors qu'il y a certains vétérinaires qui ne veulent pas castrer un chat après 2 ans. Parce qu'il s'est habitué, donc il a pleinement conscience. Donc là, on a poussé le petit meuble télé pour qu'on puisse regarder la télé en face du canapé. Parce que les vétérinaires, on pouvait pas. Avant, il y avait mon miroir là. En fait, ça, je les aime plus, les petits trucs. Ça fait longtemps que je les aime plus. Hein. Ça fait depuis... Ça fait depuis le déménagement d'ici que je les voulais plus. Je voulais les filer à mon père, mais ma belle-mère, elle les voulait pas. Et pour l'instant, on va les garder parce qu'il faut qu'on mette nos jeux et tout.
Mais quand on fera, vous savez, le local technique, on mettra les jeux de société là-dedans, je pense. On a enlevé le yucca, on a mis le panier ici. Voilà, comme ça, ça dégage de la place à droite pour la courrière. Voilà, on a mis le certificat des bichettes. Il y en aura bientôt un autre de 2 ans. Ouais, parce que à droite, il va y avoir l'aquarium, donc on peut pas le laisser. Il me casse les couilles. Là, j'ai demandé à mon père s'il le voulait. C'est pas notre place, et pour l'aquarium, c'est pas... Là, c'est ce que je vais donner, et là on est en train de ranger un petit peu la cuisine. Ouais, c'est une grosse journée là aujourd'hui. Hein. Là, il y a monsieur qui est en train de réparer la table basse au niveau des pieds, parce qu'il y a un des pieds qui n'était pas folichon. Donc, il est en train de le réparer, et là bah faut tout ranger. Tout le temps du rangement, mes vidéos. Hein. Je devrais m'appeler Marie Kondo. Ok. Hein, Chiquette ? Elle a bou, Birdie. Oh mon amour. Ouais, peut-être que je te lave à un moment donné hein, quand même. Les gens qui me posaient des questions sur le Lilo, si ça fonctionnait bien, bah écoutez, on n'a rien fait. Et vraiment rien fait du tout. Et il y a la tomate qui a poussé, mais d'une manière extraordinaire, avec des petites fleurs et tout, c'est trop bien. On a aussi de la ciboulette et Et là, c'est de la... C'est pas du basilic ? C'est de la menthe. Ah ouais ? D'accord, donc là, il y a de la menthe. Ça pousse un peu moins bien, la menthe. Ça, c'est... C'est bien aussi. Je crois que c'est de la menthe. Moi je dirais du basilic bébé. Hein. Pour moi c'est de la menthe. Pour moi c'est du basilic. Bah c'était de la menthe. Et donc là il y a d'autres petites fleurs qui vont pousser et tout. C'est trop bien. Donc ça pousse trop trop bien. Je suis archi contente. Et on fait pas grand chose. On laisse juste allumer le Lilo. Arrête de me faire chier. Donc on va ranger le bordel. J'ai mis mon ficus au-dessus. Ah ouais. Ah oui, j'ai acheté ça à Truffaut. J'ai acheté une orchidée. Elle était bradée. Elle va mourir. Donc oui, elle va mourir avec moi, ça c'est sûr. Mais elle va repartir l'année prochaine. En tout cas, elle est trop trop belle. Je l'ai acheté 5€. Elle coûte de base avec le pot, je crois, 22€. Donc ça, c'est vraiment cool. Il faisait vraiment de belles orchidées et tout. Franchement, trop belle avec les petites taches et tout. Là, je vais le donner à ma soeur pour qu'elle l'entrepose. J'espère qu'elle va l'accepter. Parce que là, je n'ai nulle part où le mettre. À part si on l'accroche dans l'appartement, genre, imagine là. Là. Bien sûr, mais que ça a foutu. C'est hyper lourd. Tout ça, ça va aller chez mon père. Et mon père, il voulait bien aussi les corbeilles. Là, celle-là. Mon père, il prend tout. C'est fou, j'aime trop. Donc, ça serait pour sa future piscine. Il voudrait mettre ça en table d'appoint en attendant et tout. Parce que moi, je peux plus. J'y arrive plus. Que c'est cool si mon père peut les récupérer. Et ça, eh ben, on mettra rien pour l'instant. On mettra juste ma plante par terre. Et donc, là, en fait, je voulais mettre un espèce de arbre à chat qu'on a vu à Truffaut. Il est tellement beau. On savait qu'une branche, en fait. En fait, c'est une branche. Trop trop belle, arbre à chat en branche, ça coûte un petit peu cher, je sais pas si c'est cher pour la qualité, je sais pas du tout, c'est entre 50€ et 70€, et c'est vraiment très très beau avec de la fourrure, et vraiment c'est magnifique, moi j'aime beaucoup. Elle était vachement jolie, je pense qu'elle irait bien ici, ça harmoniserait bien, et au moins Bichette il pourra regarder dehors, tu vois ou pas? Et ça, on met où du coup? Parce que t'achètes. Dans le bureau. Bon, allez, faut ranger la cuisine, bébé. Le mec, il a tout dérangé. Il m'a dit, ouais, faut ranger toute la cuisine alors qu'on est en train de ranger Noël. Il veut pas être focus sur un seul truc. Il veut faire 15 milliards de choses à la fois et après, il a la flemme de ranger. Si t'avais pas tout dérangé, t'aurais pas la flemme de ranger. Ah, mais j'ai pas la flemme de ranger, c'est juste que je sais pas où les mettre, les trucs. Parce qu'en fait, il y a plein de trucs que tu utilises pas, que tu gardes. Et donc, il y a pas de place pour les trucs qu'on utilise et qu'on a besoin d'utiliser. Il y a énormément de place. Hein. Où ça? Je mets ça où? Voilà, là où c'était. Sure. Là, il y a... Voilà, Parce que tout ça, c'était là-dedans. Bah oui, c'est la place. Bah si. Bah non. Tu vas pas me faire chier pour un velouté de 10 légumes. Bon, je vous reprends maintenant. Il est actuellement 19h38. Il y a mon copain qui s'est mis une déter pour trier, ranger et tout. Des fois, t'as envie de ranger. Enfin, t'as envie de désencombrer. Ouais, il y a des fois où j'ai envie de retrier tout et de mettre les trucs sur... Enfin, d'essayer de faire un truc pratique, en fait. Ouais. Quand ça devient trop dérangé... Moi ça me dérange et du coup je m'y retrouve plus, je sais plus où mettre les trucs et donc je range. Mais tu vois comme je te disais, on n'a pas le même seuil de rangement. J'ai la moitié de ma vaisselle et l'autre moitié, je me suis lassée, celle de chez Action que j'avais acheté il y a... Je vais voir quel âge, 23 ans, ça fait 5 ans que je les ai achetés. Et vous savez c'est la vaisselle comme ça là. Quand j'ai mon appartement, j'ai acheté des petits trucs chez Action comme ça. Et je les aime beaucoup mais je me suis lassée donc je vais donner tout ce qui est assiette. J'en ai donné et là j'ai les petites assiettes à lui donner, j'ai les bols aussi à lui donner. Et il m'en reste pas beaucoup des bols, il me reste que ça, plus un quatrième qui est la gamelle de Bichette. Mais il m'en reste pas beaucoup et ça je l'aime pas du tout, je l'ai jamais aimé celui-là. Et je garde juste mes tasses à café que j'aime trop, elles sont trop belles. Mais ça je vais les donner à ma soeur si elle le veut. Je vais mettre ça sur Vinted, j'espère que je vais pouvoir les mettre. Parce que je sais pas s'il y a une catégorie vaisselle. Bon, en tout cas c'est des petits coquetiers comme ça, donc vous pouvez mettre de la ratatouille, du riz. Bah. Mais couille les Bichette.
où il est? Mais où il est, Bouchette? Crois-moi. Moi, je le trouve pas. Oh, mon chacha, mais qu'il est beau. Oh là là, ce petit chat. Oh, oui. Et encore une lessive, comme vous pouvez le voir, on ne fait que ça. Il y a mon copain qui a tout réorganisé. Il a tout fait, genre il veut mettre en fait les aliments secs et tout ici. Et en fait comme les assiettes, les aliments secs, les aliments secs seraient en bas et là ce serait les aliments plus boîtes. Ouais, les boîtes. Moi j'ai du mal à les utiliser, donc enfin à attraper. Donc je m'en fous vu que c'est pas moi qui fais à manger. J'y crois pas, j'y crois absolument pas. Je n'y crois absolument pas. Bah tu aurais dû. Ah tu veux les mettre là? Je pensais que tu voulais les mettre encore en haut. Bah comme ça tu peux les attraper. Ah c'est trop beau, j'aime trop. Oh, c'est très Marie Kondo. Ah j'aime beaucoup trop. Alors là, eh, il a pas une bonne idée ce mec là là. Oh là là, très Marie Kondo, on adore. Je dirais même pour rapprocher un petit peu les princes, non, de la boîte dans la oui, boîte. Oui, bon, ça voilà. Non, il faut peaufiner les détails. Hein. Là, il est 21h11, on va manger parce qu'on a faim. On va se faire des pâtes carbonara. C'est moi qui ai cuisiné. Donc on attend que ça épaississe un petit peu, hein, à skip. Et on a plutôt, enfin, il a plutôt bien rangé, mon copain, je suis contente. Il a mis bah, tout ce qui est salé et tout au-dessus. Et au moins on peut voir les choses parce que ça fait longtemps qu'on les a et on les a pas mangés. J'adore le truc des princes, je crois que c'est mon truc préféré. Et en fait je vais donner les assiettes à mon papa, mais en attendant que j'en rachète je les garde. Mais quand je vais en racheter, je vais en acheter que 6 cette fois-ci. Et je mettrai les petites assiettes au-dessus et là on aura un vide, on mettra tous ces trucs comme ça là. Donc ça fera beaucoup plus vide, on a les shakers etc juste là. Et là on a les bols aussi qu'on va changer parce que je me suis lassée. Et là il y a toutes mes tasses préférées. Des théières, des choses que j'utilisais quand j'allais à la fac, vous savez, les trucs pour mettre les cappuccinos et tout, je mettais tout le temps ça là-dedans. Oh, j'arrêtais pas de faire ça. Malheureusement, on ne va plus à la fac. Mon truc à épices, à chaque fois, on me demande où je l'ai eu. N'allez pas dans la boutique, mais je l'ai eu à My Cozy Shop. Mais n'allez pas dans cette boutique-là, il coûte 55 euros. Voilà, c'est trop cher pour ce que c'est, on en a déjà parlé. Ensuite, ah oui, on vous a pas montré, on a changé aussi l'étagère. Donc l'étagère, on a mis le thé ici. Donc je pense qu'il y a un peu trop de thé là. On a mis ça comme ça, on a mis ensuite le panda et on a mis le ficus au-dessus. Donc voilà. Pour les animaux, j'ai remis leur tapis parce qu'ils n'avaient plus de tapis. Bon et bien nous avons passé l'aspi, enfin nous avons passé l'aspi. Vous êtes à passer l'aspi et la serpillière. Donc au moins c'est propre par terre avec toutes les paillettes, les trucs du sapin et tout, bah ça a pris vraiment beaucoup de poussière. Donc là c'est tout ce que je donne, donc je suis trop contente. J'ai même donné aussi des mailles musclées à ma soeur parce que j'en ai beaucoup trop, j'avais deux calendriers de l'avant donc je lui en donnais un petit peu. Après le reste voilà j'ai mis ça dans des sacs. En attendant d'aller chez mon père, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir y aller chez mon père d'ailleurs parce que j'ai pas de week-end, j'ai pas de vacances, j'ai rien. Donc pour y aller ça va être un peu compliqué. Et je viens de me laver, j'avais mis le mascara. Make-up Revolution waterproof, il est tellement galère à nettoyer. J'ai l'impression de perdre tous mes cils à chaque fois que je démaquille. Pourtant je mets plein d'huile et tout, genre j'utilise pas un coton, j'utilise mes doigts et de l'huile. Mais ça fait quand même un peu mal, je vous avoue. Donc là j'ai fait mes petits soins. J'avais un petit peu du mal, je vous avoue, à reprendre les vidéos. J'avais vraiment beaucoup, enfin pour celles et ceux qui sont sur Instagram, vous le savez, j'ai vraiment beaucoup de mal parce que j'ai arrêté pendant 2-3 semaines de filmer à cause des partiels. En fait j'ai vraiment mis une grosse pause et j'avais tellement de mails en retard, je vous dis pas le nombre de mails que j'ai, je crois que j'en avais au moins 600. Je vais vous faire une vidéo grand tri, donc désolé cette semaine il y aura que du tri rangement. Dans ma maison elle en avait vraiment besoin. Là cette fois-ci ça sera plus tout ce qui est soins, make-up et aussi quelques avis. Je vais faire et des livres, je les ai pas encore fait, je vais les faire demain. J'ai déjà tourné une partie de la vidéo, j'ai fait samedi je crois, j'ai commencé samedi, j'ai continué lundi et je vais continuer demain pour tout ce qui est habits et livres. Donc n'hésitez pas à les checker sur mon Vinted. Il y aura aussi des petits objets déco, je pense. Donc bref, voilà pour cette petite... Enfin, petite, non, je ne pense pas. Je pensais au début que mon vlog, ça sera un vlog style étudiant et tout. Mais pas du tout. C'était un rangement, tri, étudiant. Je m'attendais pas à ça. Donc bref, on va se quitter comme ceci, hein, avec une tête affreuse et un peignoir qu'il faut que je lave. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai dans ces vidéos qui se ficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.